Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 5 de la série sur Volcano avec le mode Prometheus. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et où es-tu, où est-ce qu'elle est? Bonjour. Je suis cachée. Bonjour, on est avec Angie, mais elle est là. Dans le cul de la loutre. Et c'est... Dans le cul de l'hélice. Elle est cachée. Arrête de dire des bêtises. On y va. Et donc bienvenue. On va donc aujourd'hui déplacer la base, vu que tout le monde dit que mon emplacement de base il pue la mort. Du coup on va aller dans la caverne. Ok, j'ai compris. Alors, pour ça, il va nous falloir des cryos. Il va nous falloir des cryos pour transporter tous les dinos. Ensuite, il va nous falloir... Non, c'est toi qui es tombé, c'est pas moi qui... C'est toi qui es tombé dans le dernier épisode, n'hésite pas à sauter. Non, c'est bon. C'est bon. Hop. Il nous faut des cryos, il faut que je transporte tout, donc l'Argentavis n'arrivera pas à tout transporter, c'est sûr. Quetzal 50 non plus, ça n'arrivera pas à tout transporter. On verra, on va voir. On va voir. Ah, c'est quoi là-bas? Il y a un ankylo qui dort. Il est en train d'être tamé. C'est moi. Ah, t'es en train de tamer un ankylo? En attendant que la pluie s'arrête, j'ai fait des trucs. Très bien, bah tant mieux, parce qu'on en a plus, c'est ça? Oui. Ouais, bah tant mieux, nickel. Vas-y, je vais aller chercher un airdrop, là, il y en a un qui tombe là-bas. Je vais juste regarder le prix des cryos, et puis en fonction, on va devoir aller chercher les ressources adéquates pour faire tout ça. Sachant que quand je vais m'installer sous la grotte, je vais pas utiliser tes ressources avant un moment. Hein. Je vais utiliser ce que t'as. Tu veux tout copine? Attendez. Non. Fouh. C'est bon. Tiens, prends ça dans tes dents. Non, oh, il y en a deux. Hut. Il m'a eu quand même. Non, j'ai volé mon tas. Non, aide-moi. Ah, il y a un terror board aussi. Ah, je suis au drop bleu. Ah, c'est bon. Je sens le temps que j'arrive. Oh non, mais quel enfer. Oh, un boss. Oups. Quel enfer. Faut que je casse le truc là, vu qu'il est bloqué dedans. Ah non, c'est bon. Donc. Cristal, fibre, métal, peau, polymère, pétrole. Cristal. Ouais. Polymère, pétrole. Ok. Qu'est-ce qui nous manque à la base? Dis-moi tout. Ah bah j'y suis pas. J'arrive. D'accord. Tu me dis ça. En attendant, je pense que je vais aller chercher du... Alors il nous faut du cristal. Je sais pas trop où trouver ça. Rapidement là, dans les environs. Il nous faut des perles peut-être. Je vais voir si je peux pas en trouver un petit peu ici. Oh si, bah oui, voilà. On va prendre quelques perles. Et du coup, surtout pétrole et polymère qui vont être les plus chiants à trouver. Pétrole, polymère. Bah, je sais où c'est, mais polymère. Mais des mantis sur la map? Normalement, oui. Bah, ah oui, il y en a dans le désert. Bah, vas-y, on va ramener Lilith pour manger des mantis. On va manger des mantis avec. Je peux prendre mon loup? Non. Mais... Les trucs que te donnent les subs ne sont pas autorisés. Mais... Tu peux les jouer avec si tu veux, mais pas dans la série. Nous, on avance tranquillement à notre rythme. En découvrant le mode petit à petit. Avec une aventure suivie de A à Z. Et que tout le monde puisse suivre tout. Du début jusqu'à la fin. Oui.
Je veux un poney. Est-ce que c'est un timing passif? Normalement non. D'accord. Mais qui mange de la viande. Ah ouais? Un poney qui mange de la viande, tu devrais être heureux. Oui, je devrais être très heureux. Au moins je me tromperais pas. L'obsidienne c'est pour faire du ciment, on est d'accord? Pour faire du polymère, bah voilà, c'est ça. Oui, il nous faut du ciment. Je suis perdu là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué au jeu. Ouvrez les serveurs Inix. Vite, le PVP. Ça ouvre bientôt. Il t'en faut combien de polymères? Ça ouvre le 27. Il m'en faut. Bon, en vrai, pas beaucoup, mais. Bah oui, mais ça me dit pas combien. Mais je ne sais pas. Une centaine. Quelque chose comme ça. Tu peux en faire 70. Ok. Et après, j'ai plus de ciment. Ouais. Ouais. Non, mais je pense qu'on va aller dans le désert pour faire du polymère. Ça sera mieux. On en aura plein. What? C'est de Mortis. Un plastron mythique. Pourquoi il y a un plastron mythique là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Plastron mythique. C'est ça qu'il me faut, moi, pour raid. Ah, on peut pas raid. Ok. Bon, il y a quand même 2-3 conneries hein, dans ce désert. C'est quoi ce truc, Thomas? Je le vois pas, moi, ton airdrop jaune. Paume Stegosaur, c'est parce qu'il est déjà tombé. T'es au bleu, là, qui est pas tombé? Non, celui qui est tombé, mais je me dirige vers celui qui est... Bah, tu vois le jaune, alors, du coup. Oui, ça y est, je le vois. Ok. Mais j'ai vu le gros Yuti aussi, de très près. Hop, bon, bah, voilà. Bon, bah, on va venir là, et puis on va aller taper du monde de la Mantis. En espérant ne pas se faire tuer par n'importe quel boss qui est autour de nous. Eh, on pourrait faire... Y a un truc à pétrole, là. Faudrait qu'on mette une pompe. J'ai de la mantis. Y a une wyverne aussi. Y a un ours. Il y a plein de trucs. Un peu trop, même. Oh, j'ai trouvé la licorne. Mais elle va mourir. Y'a l'argentavis. L'argentavis rose. Il est trop beau. Je le vois. Ouais. Bah ils s'attaquent entre eux. Je crois qu'ils viennent se faire des pop. Non. Non. Je vois rien putain. Y'a une... Le désert c'est pas fait pour moi. Oh là 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 là. Y'a un pro mob Terrano donc qui vient de se faire démonter par une wyvern. L'argentavis s'est fait des pop. Et l'ours aussi, du coup, putain. Je le vois, moi, l'ours. Quel enfer. Elle est cool, la musique de l'ours. Alors... Oh non, mais... Oh, stop. Ok, j'ai combien? Parce que ça se trouve, j'ai assez. Go regarder combien j'ai de polymère là. Hop là, bon. Ben, je crois que j'ai récolté ce qu'il faut. En termes de polymère, on doit être à 500. Donc je pense que c'est bon. Je vais récolter un petit peu de cactus. Et puis voilà, ça sera parfait. Je vais en prendre un peu là en espérant pas me faire tuer dans tous les sens. Je dis ça, il y a un ver des sables pile à l'endroit où je suis. Plus des milliards de dinos. Sauvez-moi! Et puis en plus, n'importe quoi peut tomber et je le verrai pas arriver. Alors on va faire autrement, on va faire ça. 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 Et voilà. Toc! Tu te rappelles où t'avais mis le lit pour les argentavis? Le lit pour les argentavis. Y'a un gros boss juste en dessous. Yes. Hop là, plus d'air des sables. 1200 kératine, ça donne quoi la verre des sables? Des swarms. Ok. Allez, donne-moi du cactus. J'en ai marre. Je vais rentrer, il y a trop de créatures improbables. Hein, trop de monstres. C'est impossible. Hein. Ah bon? Je vois pas de quoi tu parles. Bah non. Je rentre. Bon, bah j'ai pris du soufre aussi avant de repartir.
Donc, un peu de soufre, un peu de cactus. Voilà, on a un peu de tout. Ok, je suis rentré. Bon, hop. Je vais juste réactiver le... ce truc-là. Voilà. Hop là, on va déplacer tout ça. Alors. Du coup. Nous avons... c'était pour faire des cryos. Il me manque encore juste du pétrole. Et j'ai perdu mon Ptera aussi. Il est mort quand j'essayais de gérer un problème admin. Tant pis. On verra plus tard. Moi aussi, le bien est mort. Oui, mais c'est pas grave. Nous en retamerons. Moi, je gérais un problème enfant. Chacun ses problèmes. On échange. Non, c'est bon là, moi je. c'est bon. Non, la flotte. Ouh. Ma baleine alpha. Meilleur dino. J'en veux une. Oui. Bon, ça se tame pas, je pense, celle-là. Mais... non. Ok, bah j'ai pas beaucoup de pétrole, mais bon, dans un premier temps, ça suffira. Je sais pas comment en avoir vraiment masse. Si, il faudra faire un puits de pétrole, comme on a dit. Je crois que ce sera le plus pratique, le plus efficace. Hop là. Mais déjà, dans un premier temps, on va pouvoir faire au moins des cryos pour déplacer la base. Non, c'est trop bizarre quand tu te mets soit en troisième personne ou en première personne, la lumière est différente. Tout le monde a ça ou il y a que moi? J'ai pas de différence. Putain, si tu as quoi? Si quelqu'un sait. Toc. Est-ce qu'on prendrait pas tout pour faire les cryos, il me faut ça, il me faut de la peau, il me faut, je sais plus, de la pierre, je sais plus, peut-être du bois, peut-être du branchage, du polymère, de la fibre. C'est le truc que j'ai retenu. Ok, très bien, bon bah voilà, je pense que c'est bon. Je l'espère. Très bien, il est trop lourd. Attends, j'ai pas besoin d'autant de pierre. Pas besoin d'autant de pierre, pas besoin d'autant de bois. Voilà. T'as plus de poids toi? 212. En plus c'était le terrain qui avait le plus de poids que j'ai perdu. Oui, un des miens. Ah ouais? Oh, putain. C'est pas grave, là je suis en train de faire ma réserve, j'en ai recroisé en chemin. D'accord. Du coup ils sont posés en reproduction, je vais avoir masse œufs. Comme ça, c'est bon. Ça très bien. Faire voyager. Ok, bah, let's go faire des cryos. Ah, tu dois les faire une par une maintenant. Ok, il en faut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va dire une dizaine. De toute façon, je vais devoir en faire plein, donc autant en faire le maximum jusqu'à ce que j'ai plus de ressources. 8, 9. Parfait. Hop là. Bon, nous allons pouvoir déménager. Ah, et là maintenant c'est blanc quoi qu'il arrive, même si je fais avant ou pas avant. Là c'est bien lumineux là. Ouh. Hop là. Bon bah je mets tout en cryo et puis non, pas l'argentavis, c'est lui qui va me servir à transporter les trucs. Les pteras, je pense pas non plus. Toi je te mets en cryo et on y va. Tu veux peut-être un coup de main? Non, je vais juste faire des transferts. Le démantèlement complet de la base. Il est en cours. Je vais être trop lourd. Je peux pas tout transporter. Bah si, tu prends tout, tu suicides, tu respawns chez moi, tu te fais une tombe et tu récupères tout. Effectivement, c'est pas bête comme truc. C'est pas bête. Le transfert infini. Bah oui, tu connaissais pas. C'est cheaté. Je vois pas de quoi tu parles. Non.
Attends, faut que je mette tout dans l'argentavis, mais l'argentavis il est plein. Il est plein. Mais après j'ai pas de fouet, donc c'est plus compliqué pour récupérer toutes les structures sur moi. Parce qu'avec un fouet j'aurais pu me mettre, j'aurais pu vraiment tout mettre et ça aurait été plus facile. Ok. Bon, ça c'est les Riffenforge, y a plus rien. Ça y a plus rien. Et lui il est beaucoup trop lourd. Ok. Bah tu sais quoi, je vais vous mettre en cryo. Et puis je sais pas comment on fait un fouet ici. Faut de la soie. Est-ce que j'ai de la soie? Ok, vas-y. Vas-y, balance tout, balance tout, balance tout. Reste appuyé sur ta touche pour jeter. Fais des lignes là. Balance tout. Ok, on va passer au Pteranodon maintenant. Ouf, il peut à peine bouger. Ce qui est bien, c'est que le fouet perd pas de durabilité si tu tapes le dino. Lui aussi, il y a des trucs. Ouais. Allez. Parfait. Et maintenant, faut mettre tout en cryo. Tiens. Cryo. Cryo. Tiens. Un homme tout nu qui va mourir. Mais tu sais qu'il y a une potion de suicide. Mais ça me dérange pas. Hein. Avec plaisir. Hop, et on est dans là-haut, dans la grotte. Ok. Bon, bah je vais m'installer à côté, parce qu'il y a trop de trucs ici, il y a des industriels forges, tant que j'ai pas tout ça, je... C'est quoi le début de maison qui est à côté? C'est des essais en oiseau. D'accord. Tu peux prendre si tu veux. Très bien, bah je vais faire une maison en oiseau, moi. Ça me va. Ça me va, ça me va. Hop. Alors, donc, je craft une personal graves, je fais ceci... Je prends le smithy. Le smithy que je vais placer genre... Alors pas tout à fait là, mais quand même. Genre... Perfect. Bon, voilà. On a récupéré tout ce qu'on avait. On est bon. Et on a enfin, on s'est TP entre guillemets grâce au truc... C'est plutôt pratique ça. C'est plutôt trop Patrick. C'est Patrick. Hop. Donc... Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout jeter, même en cryo sickness. Voilà. Voilà. De toute façon, c'est pas grave. La loutre en cryo sickness, en cryo, c'est quelque chose. Voilà, faites dodo. Salut la loutre. Trop bien, trop marrant. Bon bah voilà, super. J'ai quand même un Ptera, qui est le meilleur Ptera d'ailleurs. On va juste regarder un petit peu ce qu'a rangé, savoir si on utilise, on n'utilise pas. De toute façon vous me direz en commentaire, mais je pense que de toute façon le mieux c'est de ne pas utiliser dans un premier temps et d'utiliser quand on sera rendu à peu près ici, c'est-à-dire quand on aura placé cette structure qui est quand même... C'est facile à placer, ça aussi facile à placer, c'est juste qu'il faut les placer. Quand on aura placé donc une industrial cooker, enfin quand on aura de quoi crafter une industrial cooker, on fera ça. Générateur, au final on est rendu là, hein. Il y a juste un peu plus de ressources quoi, un peu plus de poudre à canon et tout, donc on va commencer à en farmer, on va faire un petit truc, on va se faire une maison aussi, puisque du coup, si je regarde le Volt, ouais il y a les ressources de base, non bon, en fait il n'y a pas grand chose, il y a juste du métal et du cristal, du farming quoi. Ok, de toute façon on va avoir ressources illimitées dans très peu de temps, hein. Vous allez voir, vous allez comprendre,
On va avoir ressources dans très peu de temps. Très 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 peu. Non mais ça va, elle a juste commencé, elle a fait un industrial grinder. Et une forge. Bon, on va faire une prom forge, on va faire tout ça. On va faire tout ça. Hop, garde ça. Comment s'appelle le truc? C'est Ozo. Hop, re, c'est la Ozo Table. J'ai entendu le fouiller dans mes affaires là. Ouais, je regardais savoir ce que t'avais. Ouais, je peux revenir? Ouais, ouais, vas-y. Ma mère, elle est bien ma maison. Bah oui, mais pas mal ta maison. Dodo Land. T'as un Smithy là, toi? Ouais, c'était celui du début. D'accord. C'est comme je te dis, quand je fais une autre maison, je laisse tout sur place et je refarme en fait. Donc, du coup, tout ça, je m'en servirai peut-être même jamais. Super. Bon, après, avec le pool, ça arrivera de s'en servir, mais. Oui. Bah, de toute façon, au pire, et rien, tu fais ça si jamais. Et il est où ton Smithy interne? Il est au milieu. J'ai pas vu, y'a rien dedans. Ouais. T'as tout mis dans le vault. Par contre, la grosse loot là, elle me gêne. C'est pas Lilis! S plus transfer gun, donnez-moi ça. Si je fais un transfer gun sur ton Smithy. Hop là. Ça, c'est pratique à faire quand même, t'es juste à côté en plus. Voilà, comme ça, tout est dans le Smithy. Ok. Dans celui-ci. Oui, c'est joli le truc de dragon. Ouais, mais d'ailleurs, il faut que je fasse une. Oula! Ah oui, j'allais dire, faut que je fasse une maison en glace métal, mais. Ah oui! Bah, va falloir farmer l'obsidienne. De toute façon, oui. Quand on aura ressources limitées. C'est-à-dire bientôt. Hop. Bon, bah, au moins, on a une belle serre, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Bah, elle est pas encore. 100% opérationnel. Ouais. Il manque de la bière et de la soupe. Oui, bon, ça après. Je vais déjà te ramener tout ce qui est. Il est où l'item collector? Alors, t'en as déjà un? Oui. Attends, ça sert à rien du coup que je mette le mien. On va prendre donc item collector. On va faire. La mangeoire, je vais en mettre une autre à côté, comme ça au moins on en aura deux quoi qu'il arrive. Je vais en mettre une là. Hop, et après il y a tout ce qui est engrais et tout ça. J'ai même pas la nanny. Tiens, je ne sais plus jouer, c'est une catastrophe. J'ai des cheveux pour ta nanny. Ah. Vas-y, on va faire une nanny, on va commencer à faire l'automatisation de la base du coup. Et du coup l'industriel, la forge, il y a une prom forge, donc on va voir si on va pas faire une prom industrielle forge. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais pas où elle est, mais il me semble que dans la prom table, tu dois avoir l'industrial forge. Elle est là, ouais. Ah ouais. Donc du ciment. On ira farmer tout ça. Je vais couper mes propres cheveux, je vais te filer ça, puisque j'ai envie de changer de truc. Pourquoi il m'aime pas la privée? Ah si, ça y est. Visualisation. Alors, afro romantique dreadlocks. Ok, ça ira mieux comme ça. Et si tu veux. Tu me coupes les cheveux, s'il te plaît. Oui, on va faire ça. Par contre, tu mets pas n'importe quoi. Hein. Non. Ouais, ouais. Le mieux, c'est ça. C'était la dernière fois. Tiens, t'as un bébé derrière toi. Yes! On n'a pas de miel. Bah je vais aller chercher du miel. Je vais, j'ai bien envie de tamer un dido quand même, prom dans l'épisode. Faut qu'on voit quoi. Un poney. Pour ça il faut que je fasse des flèches. Et pour les flèches il me fallait juste des champignons. C'est tout en fait, c'est la seule chose qui me manquait moi. Pas que. Déjà on va faire masse plantation, on verra plus tard. Voilà. Ouais, par contre, mettre les trucs devant la baie vitrée, ça te dérange pas? Alors absolument pas. Pour l'instant, c'est fonctionnel. Pour l'instant, c'est juste fonctionnel. Et quand j'aurai une vraie base, ouais. Ça sera... Et tu sais que ça, c'est une porte à l'origine? Nice. Mais y a plus de porte. Voilà. Regarde, c'est une porte coulissante. Ah ouais, sympa. Putain, il est bien fait ce mode.
Il y a les animations et tout. Tu peux même mettre des petits rideaux aux fenêtres et tout. Ok, bon bah on va faire une maison en ça. Bah, on va essayer. En vrai, je pense que le mieux, c'est qu'on mutualise tout, mais qu'on fasse une maison tous les deux. Genre une grande maison, genre là-bas là. Ok. Et on mutualise tout, comme ça on, entre guillemets, on repart de zéro dans cette grotte. Enfin, pas de zéro, mais voilà l'idée. La serre, elle va rester, bien sûr. Et on fera peut-être l'entrée de l'autre côté. Mais en tout cas, peut-être juste là où on est, ici à la place de ce truc qui est en début, bah on fait un vrai, une vraie maison. Du coup, on va déplacer les Vespus Collector, on va faire une prome forge, on va faire tout ça. On va tamer un prome. Juste après. On va tamer un prome, oui. T'as des flèches Oui. Prome 13, l'homme dans et 20 sur moi. Ok. Mais as-tu fini de fouiller dans mes affaires? Je vole les flèches. Elles sont là. Oui. Des flèches. Vole mes affaires. Avec des champignons. On y va. Donc nous partons à la recherche de... Promécus. Ou d'un prom à peu près similaire. Ouais, un truc. Nous allons tester un nouveau prom pour essayer de voir s'il n'y a pas un truc qui fait plus de dégâts pour tenter les boss plus tard, quoi. Globalement, c'est ça l'idée. Allons-y. Non, j'ai trouvé un truc. Quoi? C'est... Il invoque des Dire Beer Minions. Ah ouais? Ouais. Si attends, j'arrive à le trouver. Rejoins. Je l'ai perdu, là. Bon, il y a beaucoup de créatures, si tu veux savoir. Ouais, ah, c'est lui. Ouais, le prom summoner et l'autre, c'est un prom shooter. Mais je pense que c'est le summoner le plus intéressant. Et je crois qu'il faut de la prom... Tu peux voir? Je le vois plus. Ouais, je trouve que c'est les ours. Il est là. C'est Kakashi Sensei. Ouais. Prom summoner food. Prom summoner food? Prome Summoner Food, il faut des fertilisés, Prome Bones Rex Egg, c'est mort. Je crois qu'on va devoir commencer à faire les bones justement et à farmer les bones parce que sinon on va jamais avoir de quoi tamer le reste. Ouais, bah on trouve un bone et puis on fait un bone. Très bien. En tout cas, bah, y a un bone, il me semble, mais c'est un gigano. Faut que je demande au gars, parce que je crois qu'il m'avait dit qu'il y avait un... Ah non, c'est pas un bone, ça. C'est le trike qui bug. Le trike bug, ouais. Le trike, on va le virer, du coup. Je veux un raptor, moi. Le gigano, c'est quoi ça? C'est un prom chef. Ah oui, d'accord. Cherchons des bones. Ah, regarde, il y a un rhino. Il est 25. Un rhino! Oui, 25. Oh, un poney! Il y a un poney qui est passé à côté de moi. Oh, 135. Et prom food? Ben. Je sais pas, mais je veux un poney! Alors, prom dino food. C'est de la viande supérieure. Crue. C'est de la prime. Je veux un poney. Ouais, bah du coup faut tuer un truc qui donne de la prime. Bah y'a des brontos partout. Ouais. Bah tuons un bronto. À la lance. Yes. Oh, un raptor. Y'a pas mieux là? Si, y'a un brontosaur 20 là, en vrai ça va. Aïe. Vas-y, viens. Au secours. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah je me fais manger par un raptor. Mais super. Et... Non! Je me suis trompé d'arbalète. Bon bah voilà, bah il est endormi du coup. Bouge pas, t'as. Bon, on va y aller de toute façon. Il est là. Prends ton Ptera. Je sais pas où il est. Il est là. Puis moi j'ai ça si tu veux. Voilà. Tiens, vas-y. Envoie un petit peu de la moitié de ta prime là. Non. S'il te plaît. Hop. Ok, pour moi c'est parti. Il est où le premier cus? Bah je sais pas. Là! Ah bah non, je les ai, j'ai mis un grand unlocker machin. Enfin, j'ai mis truc unlocker. Je sais pas du quoi. Rhino à côté du gros Rex.
Oui, bah c'était du passif. Bah voilà. Du passif à la prom viande du coup. J'ai un poney. Je... ouais, attaque. Voilà. Mon poney. Il est parti attaquer. Mais mon poney, il faut une selle. L'arnaque. Ouais. Y a pas les prom saddle ici en plus. Non, bah mets-le sur ton épaule et puis on y va. Hein. On va le tester à la base. J'ai un poney. Et c'est où la maison? Genre là, tu saurais pas y aller. Du miel. Yonix. Y en a partout, y en a partout. Là, y a le Rex avec la loutre qui danse sur la tête. Quoi? Y a un Rex avec une loutre qui danse sur sa tête. T'es où là? Quand tu sors de la grotte, je suis à droite. D'accord. Il y a même un Terry Prom, il y avait un Terry Prom juste à la sortie là. Mais regarde, le Rex, il a une loutre qui danse sur la tête. Ah, ce truc là. Mais what the fuck. Prom Advance Rex 95. C'est des malades les modeurs. On met du combien avec les flèches? 2000. C'est tout? Oui. C'est mort. On fera ça quand on aura le fusil. Ouais, comment ça 2000? Bah what j'avais testé sur un truc, ça avait mis que 2000. Bah attends, je vais tester sur... Je vais tester sur... Bah non mais ouais, je vais tester sur le Rex vu qu'il a l'air de pas pouvoir bouger. Bah j'ai une arbalète un peu plus puissante. Non mais moi aussi je l'ai touché en fait. Hein? On l'a touché tous les deux. Putain. Super! Avec une arbalète 160, on lui a mis 5004. Quel enfer. Je suis tombé. D'accord, bon bah c'est pas les bonnes flèches du coup. Hein. Va falloir trouver autre chose. C'est mieux que les flèches normales mais... Mais en vrai ça va du coup, ça fait des flèches pas trop cheatées je trouve, c'est cool. Allez, maintenant on va jouer avec le poney. Bah faut trouver le... Faut faire la selle. Ecus, Prom, Saddle. Il manque de la stone. Mais non mais c'est pas possible, je suis trop loin, c'est tout. Eliodar, level 67. Mais laisse-le, il fait dodo. Ecus. Bah non, il manque de la stone, t'as pas de stone chez toi. Ecus. Je vais tester Ecus. Sans moi. Non mais... Et tu m'as pris mon terrain en plus. Non mais prends un terrain à côté là. Pourquoi ta loutre dort? Parce que tout est en cryosickness ici. Alors, on va monter les dégâts. Oh, il peut évoluer. What the fuck? C'est trop bien. Il peut se transformer en Flight Ecus, en Lightning ou en Power. En fonction d'une Magic Potion que tu mets. Bah, ça veut dire qu'il en faut 3. Oui. Ouais, bah, va falloir aller chercher 3 poneys. Et il enlève les cailloux sur le passage aussi. Prête. Prête le jouet. Ah oui, il détruit carrément les cailloux quoi. Les cailloux n'existent plus pour lui. Faut pas se trimballer à côté de trucs qu'on veut farmer. Tiens, attendez que. Pas comment ça fait de dégâts le clic droit. 13 000. Et bah, il fait autant que la loutre. Ah merde, elle a invoqué. Attends. What the fuck? Les dodos de l'enfer. Ils vont super vite en plus. Tiens. Les dodos. Allez, venez. Qu'est-ce que c'est que ça? T'appuies sur C, c'est ça? Oui. Ok. Attaque.
Pouah, les dégâts. Du 8000. Le feu. Le feu, ce dino. Elle invoque pas la loutre, hein, on est d'accord. Allez, let's go, on va faire le Happy Watchman. Combien de PV, le Happy Watchman? Allez, montre tes PV. Si tu fais mourir le poney... C'est bégué, je peux pas avoir les PV du Happy Watchman. Ça va mal se passer. Mais je peux pas avoir... Ah, ça y est, 7 millions. Eh bah, dans 2 heures. Ouais, non, c'est mort, du coup. Ah, y'a un truc devant moi là. Un truc. Ouais, un truc. Il est où? Il était là. Ah, il est mort. Oh, ils l'ont explosé. Chrome shooter. Du coup, ça donne 5 cristaux. C'est du cristal. Débris. Ça donne des débris de cristaux. J'en ai plein, des trucs comme ça. Ouais, bah ça va servir pour les potions et les trucs. C'est en farmant les dinos qu'on les a. Eh bien, je suis de retour. Hop. Je vais ramasser ça. Et nous allons rentrer dans la base. Et pour le prochain épisode, eh bien, il va falloir faire une vraie maison. Tester. Enfin, aller farmer un peu avec les cus parce que du coup, il y a des cristaux à aller chercher. Voir pour l'évoluer, voir ce qu'on peut faire. Et puis aller étamer d'autres promes, parce qu'il y en a plein à découvrir. Oui, dont moi je veux un loup. Dont le loup là-bas qui est pas caché, mais... T'as pas le droit d'y toucher. Oui, oui, j'y touche pas. C'est mon jouet. J'y touche pas, je l'ai pas encore tamé. C'est mon jouet. Je le regarde pas, je le regarde pas, il existe pas pour moi. Et bien sur ce... On se retrouve très prochainement pour l'épisode numéro 6. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais des bisous. On se dit à du coup la semaine prochaine. Je sais plus. On doit être vendredi. Du coup, soit dimanche, si j'ai le temps de tourner un épisode. Aïe. Soit à mercredi prochain. Et de toute façon, il y en aura un mercredi prochain. Toi, Cody, plutôt toi. Bisous. Et à bientôt. Salut. Salut.